Les amis, j'étais en train de parcourir mes réseaux sociaux lorsque je suis tombée sur cette vidéo que je vous mets là à l'écran. En fait, au début, j'ai cru que voilà, c'était tout simplement une cérémonie de mariage normale jusqu'à ce que j'aperçoive un cercueil et donc un cadavre à l'intérieur. Je me suis dit, mais attends. C'est un deuil ou c'est un mariage ou est-ce alors les deux? C'est alors que voilà, j'ai décidé de mener ma petite enquête et à l'issue de cette petite enquête, il s'avère que cette dame que vous voyez dans la vidéo a décidé justement de se marier avec l'homme qui avait décidé de l'épouser dans quelques jours, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Il est mort avant la dite date de mariage. Raison pour laquelle elle a porté néanmoins sa robe pour pouvoir se marier avec lui. Je vais vous laisser bien visionner la vidéo et tout. Et puis par la suite, je reviendrai vers vous pour vous expliquer un peu c'est dans quel contexte, les circonstances, le lieu exact où ça se passe au Cameroun. Est-ce que le mariage, il est légal ou pas? Je répondrai également à cette question. Donc, visionnons ensemble la vidéo et à tout à l'heure. Allô les amis, pour vous mettre un peu dans le contexte de la situation, sachez que voilà, cet événement s'est déroulé au Cameroun, plus précisément en Bankomo, où une femme vivait en concubinage avec son homme et ceux-ci avaient pour projet voilà de se marier dans quelques jours. Malheureusement, le monsieur est décédé voilà avant la date du mariage et comme vous le savez, vous pouvez imaginer, tout était déjà prévu, c'est-à-dire que la dame avait déjà acheté la robe de mariée, tout était déjà planifié. Bref, c'était vraiment le mariage de Hollywood dans quelques jours. Malheureusement, les circonstances n'ont pas été les meilleures pour cette femme qui va donc perdre son futur époux quelques jours avant, voilà, le fameux jour. Donc, elle décide donc, voilà, en mémoire à son mari et pour témoigner son amour, de faire ce qu'on appelle un petit mariage blanc, voilà, où elle va tout simplement se marier avec le cadavre de son mari. Comme vous l'avez vu dans la vidéo que je vous ai montrée au début, voilà, vous voyez tout simplement qu'elle porte sa robe blanc, elle danse, les gens, voilà, viennent danser avec elle, les gens la félicitent et tout. Voilà, tout ceci en présence du cercueil dans lequel est son mari, hein. Et je vous retiens tout de suite, ce mariage n'est pas du tout légal parce que, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas du tout de maire, aucune autorité administrative compétente. Donc, ce n'est que pour moi de la tradition, entre guillemets. Donc, ça peut être, je sais pas moi, un truc traditionnel qui est prévu chez eux. Et peut-être la femme aussi a voulu à tout prix épouser son homme parce que peut-être elle l'aimait énormément, ou alors c'est une manière pour eux, voilà, de vaincre la mort, entre guillemets. Vous voyez, comme pour dire que la joie, l'amour prime toujours sur la mort, quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'est dans ce but, voilà, qu'elle a voulu se marier. Alors pour répondre à la question, est-ce que moi je le ferais ou pas? Sincèrement, si j'étais à sa place, et j'espère ne jamais être à sa place d'ailleurs, jamais je ne ferais une chose pareille parce que je me dis que, enfin, je serais tellement triste et abasourdi en fait par le départ de mon futur époux, entre guillemets, que je n'aurais même pas la décence en fait de vouloir mettre cette robe de mariage. Vous voyez, je ne voudrais même pas voir cette robe de mariage à côté de moi combien de fois sur moi.
Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en fait, je serais tellement occupée à pleurer, à pleurnicher, tout ce que vous pouvez imaginer, que je n'aurais même pas le temps, une seconde, de penser à porter ma robe de mariage et faire un mariage blanc, entre guillemets. Sincèrement, je n'aurais absolument pas la force. Franchement, je félicite néanmoins cette femme qui, malgré cette triste douleur, essaie quand même de vivre son bonheur. Et voilà, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose, quoi. Parce que c'est comme une thérapie, quoi. Peut-être elle va se dire que même si, voilà, il n'a pas pu m'épouser légalement à la mairie devant le maire, on n'a pas signé réellement les papiers et tout, au moins je serai liée à lui à vie par la tradition et par ce mariage blanc, entre guillemets. En tout cas, sincèrement, si ça peut l'aider à aller mieux, si ça peut l'aider à vaincre cette douleur, sincèrement, franchement, vas-y. Moi, je n'ai absolument pas de mauvais regard là-dessus. Chacun ses coutumes, chacun sa tradition, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai cru également attendre que, voilà, il s'agissait de l'écame. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce qu'on appelle l'écame. C'est un peu une coutume aussi où tu es censé épouser, voilà, le corps ou le cadavre de ton mari, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette pratique. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails dans les commentaires? Est-ce que vous connaissez également quelqu'un de votre entourage, un proche, un ami qui a déjà pratiqué, voilà, ce genre de choses? Dites-moi également, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que vous y connaissez un tout petit peu? N'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires, je vais vous lire. Et voilà quoi, ça va me permettre de mieux me renseigner aussi et m'édifier, pourquoi pas. Sachez que je suis ouverte pour toute collaboration, partenariat, publicité, peu importe. N'hésitez pas à me laisser un petit message inbox en étant direct, bref et surtout très poli et courtois. Je vais vous répondre très promptement. Likez la vidéo, partagez au maximum, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!